Mais au fait, pourquoi est-ce que je change? Pourquoi le changement? C'est le business case, la motivation économique, financière, de qualité de service, etc. Mais moi, en tant que personne qui doit changer ma façon de procéder, qu'est-ce qui fait que je vais changer? Bah, je vais changer si je sais répondre d'une manière qui me satisfait et qui me satisfait moi à trois questions. La première, pourquoi faudrait-il que je change? Quelles sont les raisons qui font que ce changement est nécessaire, inévitable, bénéfique, collectivement et donc peut-être individuellement ou pas? Peut-être est-ce qu'il faut que je change pour le bien commun, mais pour me mettre dans une situation d'inconfort ou de difficulté? Deuxième question à laquelle je dois répondre, et je ne m'engagerai pas dans le changement tant que je n'aurai pas apporté cette réponse pour moi, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux me reformer? Est-ce que je peux aller là où on me demande d'aller parce que nous avons relocalisé nos bureaux? Ce mythe dévastateur, heureusement, je crois en train de disparaître, de la non-plasticité du cerveau après un certain âge et de l'incapacité à apprendre à un certain âge, est dévastateur dans ce domaine-là. Et donc, il va peut-être falloir, en tant que conducteur du changement, que vous apportiez des éléments de renforcement autour de cette idée de plasticité, d'adaptabilité, y compris pour des gens de 50, 60 ans. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils en ont besoin. Et deux, parce que cette histoire de non-plasticité du cerveau est une erreur. On a démontré de manière absolument certaine que le cerveau reste capable d'apprentissage. Beaucoup mieux qu'on ne le pensait il y a une vingtaine d'années. Très longtemps dans la vie. Très, très longtemps. Pourquoi est-ce que ce changement est possible? Reste évidemment la question. Difficile, ai-je envie de ce changement? Et là, les motivations peuvent être très différentes, mais très clairement, la position d'un individu face au changement est liée à la réponse à ces trois questions. Et la communication, parce que vous voyez bien qu'on est plutôt dans le domaine de la communication ici, devra aider chaque personne à faire ce choix qui est un choix individuel. Une compréhension individuelle. Du fait que cette compréhension individuelle, elle est parfois biaisée. Et là, on rejoint les travaux de Paul Vaclavic et d'autres membres de l'école de Palo Alto dans les années 70, issus d'une analyse de Bateson, qui dit qu'en fait, les changements sont compris et sont par nature même de deux natures. Soit c'est la façon de faire qui change. Mais réellement, ce qu'on fait ne change pas. Le système dans lequel on opère ne change pas. Des changements qui modifient complètement le système lui-même sont des changements de type 2, dans lesquels on ne peut pas se contenter de faire autrement la même chose, de faire plus de la même chose, moins de la même chose, ou d'une manière un peu différente, où ça va être de passer. C'est un exemple qu'on pourra rediscuter en classe ensemble, de passer d'une logique de j'utilise les emails pour communiquer à j'utilise les réseaux sociaux et des outils de chat pour communiquer plus efficacement. Là, c'est pas je fais des emails différemment, c'est pas j'utilise un outil différemment, c'est je repense ma manière de collaborer. On est dans un système, dans un changement clairement de type 2. Et mon expérience, puisque nous avons en 2012 lancé un programme qui s'appelait la Zero Email Company, qui a eu des impacts très très forts, et on pourrait en reparler dans nos séances présentielles. La réalité des choses, quand j'ai accompagné ce changement, c'est que pour un certain nombre de personnes, ils ont essayé d'utiliser les nouveaux outils comme des emails. Et évidemment, ils n'ont tiré aucun bénéfice de ces nouvelles façons de travailler, de ces nouveaux outils, parce qu'ils essayaient d'utiliser l'outil comme si le système n'avait pas changé. Or, c'est le système qui avait changé. Donc, comprendre
comment les gens perçoivent le changement. S'ils le perçoivent comme un changement de type 1 ou un changement de type 2, et si le changement est réellement un changement de type 2, qu'ils essayent de le percevoir comme un changement de type 1, retravailler la communication, sans quoi, clairement, les bénéfices liés à la mise en œuvre du nouveau système ne seront pas là.